Aloha les opticiens. Et si on s'échappait en construisant notre propre île paradisiaque? Pas comme Dubaï, non, mais comme la nature le fait elle-même. Prenez le punch, ça me donne du punch. J'amène le sable et on se retrouve dans le canal du Mozambique. Ceci est la troisième vidéo à bord du Marion Dufresne lors de la campagne Sésame, mais elles sont toutes indépendantes, donc si vous avez pas vu les autres, et ben vous pourrez quand même parfaitement comprendre celle-ci et vous rattraper après. Et aujourd'hui, tel Re-Grégory le Marshall, on réécrit l'histoire de la formation des atolls cette fois, puisqu'on a la chance de partager le gîte et le couvert avec deux pointures, 39 et 41. Enfin plutôt André Droxler et Stéphane Jory. Ces deux chercheurs ont proposé un nouveau modèle de formation des récifs coralliens et réalisé au passage le rêve le plus fou des créationnistes, montrer que Darwin avait tort. C'est lors de son voyage à bord du Beagle que ce bon vieux Charles s'est penché sur ces îles dignes d'un décor de Koh-Lanta. D'un point de vue géologique, ces îles sont en noir et blanc. Noir d'abord, avec un soubassement volcanique immergé, surmonté d'une plateforme carbonatée. Ce sont des restes de coraux dont le squelette d'un blanc éclatant sert de support aux générations suivantes. Ça a pas l'air bien sorcier dit comme ça, mais en fait la formation de ces récifs n'est pas si évidente qu'on ne le pense. Il travaillait uniquement par des chartes nautiques que la Royal Navy avait créées. Et ces chartes sont absolument fabuleuses, d'une très grande précision, parce que ces atolls sont des dangers pour la navigation. Moi, j'imagine Darwin, quand il traversait le Pacifique pendant des semaines, il devait s'embêter, il n'avait plus rien à faire. Donc, il a fait cette compilation de ces chartes. En redessinant tous les systèmes récifaux localisés dans les océans, il en est arrivé à faire une classification. Avec trois types de récifs, donc des récifs frangeants, donc qui sont accolés à des reliefs, des récifs barrières, donc c'est des récifs avec une barrière qui sont séparés d'une partie continentale par un lagon, et enfin des atolls. C'est une couronne de récifs qui renferme un lagon. Et en fait, il est arrivé à cette théorie en se disant que probablement les volcans émergeaient à un moment donné au milieu des océans, que des récifs commençaient à coloniser le pourtour de ces reliefs volcaniques. Et au fur et à mesure, en fait, de l'enfoncement progressif du volcan au milieu des océans, on continuait à former, en fait, un récif barrière. Et au final, quand le volcan disparaît complètement de la surface des océans, on obtenait un atoll. Donc, avec l'idée de subsidence ou de comment tu disais... L'enfoncement progressif. Des bassins. Donc, il a pu voir la dynamique entre le récif frangeant, qui devient barrière, et qui devient atoll. Voilà. Et ça, c'était vraiment... C'est d'une simplicité, c'est d'une beauté. Et ce modèle est resté depuis 1842. Il est encore enseigné par tous mes collègues, quasi. Et on essaie de leur faire comprendre que c'est un peu plus complexe. Et c'est pas très complexe non plus. Voilà, ça c'était l'hypothèse qui faisait référence jusqu'à il y a quelques années, qu'on retrouvait dans les manuels scolaires et universitaires, et pourtant, dès les années 30, des géologues ont continué à creuser la question, comme l'eau creuse le calcaire. Quelle habile transition! Si on prend l'exemple d'un plateau calcaire, et qu'on fait pleuvoir de la pluie pendant un certain temps dessus, on va dissoudre, parce que le calcaire il est très sensible en fait à la dissolution, l'eau de pluie est acide. Et donc, on va commencer à creuser ces systèmes de plateformes. Et au final, ils ont pu même démontrer, des chercheurs. Alors ça, c'était basé sur des études de terrain et puis des études en laboratoire. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, on arrivait à reconstituer des morphologies en cuvette. Donc, c'est-à-dire que si on part d'une surface plate, on propage de l'eau à sa surface, on va finir par creuser légèrement et puis de plus en plus. Donc, on va avoir une morphologie en cuvette avec des bordures qui sont surélevées. Et ça, on a réussi à démontrer, en fait, en étudiant différents exemples à travers les océans, que beaucoup d'atolls au monde, notamment les Maldives, mais également en Polynésie, présentaient ces surfaces karstifiées. Donc on appelle ça un processus de karstification. Et si nos récifs se formaient plutôt par ce phénomène de dissolution? Ce qui nous amène à l'erreur de Darwin. À son époque, on ne savait pas que le niveau marin fluctuait. Tout ça, c'est la faute au climat. C'est vers 2,7 millions d'années que les premières grandes glaciations se sont développées dans l'hémisphère nord. Environ 500 000 ans, on a eu des calottes plus ou moins les plus grandes qui existaient durant ces 2 millions d'années. Et qui dit plus d'eau emprisonnée sous forme de glace, dit moins d'eau dans la mer, donc le niveau des océans va baisser pendant les périodes de glaciation, ce qui fait émerger nos plateformes carbonatées. Jusque-là, sous l'eau, les sédiments s'y sont déposés tout tranquillement jusqu'à former des toits bien plats, mais une fois à l'air libre, elles se seraient fait dissoudre la mouille par l'eau de pluie jusqu'à former ces formes de cuvettes.
Puis quand le climat se réchauffe, la banquise fond et le niveau marin augmente, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est aussi ce qui s'est passé à l'époque, lors de la première grande déglaciation survenue il y a 420 000 ans. Les plafonds carbonatés étaient exondés, et tout ça a été réennoyé. Et c'est à ce moment-là qu'on explique la formation des barrières récifales modernes et aussi des atolls modernes. Donc c'est vraiment un changement unique dans le système du changement du niveau de mer. C'est énorme, c'est dans le 130 ou 140 mètres de transgression de la mer. Puis alors après, tous les 100 000 ans, on redescend, on explose et on dissout, et on recommence, on va réinstaller les récifs sur ces parties hautes dans la marge extérieure de ce système. Pour en arriver à ces conclusions, nos deux compères ont étudié des profils sismiques, des carottes et des forages issus de divers endroits de l'océan Indien et du Pacifique. Et c'est pas fini, puisque les carottes sédimentaires prélevées lors de cette campagne leur ont réservé une belle surprise de quelques centimètres d'épaisseur à peine. La carotte 20 MD 24 36 85. Ok, merci, au revoir. C'est la cinquième carotte de la campagne. On essaye de faire 34 mètres par 3000 mètres de fond. On va essayer de récupérer la couverture de sédiments au-dessus du bassin intermédiaire, des dépôts du bassin intermédiaire. Et on espère peut-être avoir, en plus des sédiments du Zambèze, avoir peut-être une contribution des sédiments qui viennent des îles éparses. Donc plutôt carbonaté de Bassas de India. On verra demain. On a réalisé un carottage au large de Bassas de India, donc qui est une île au centre du canal du Mozambique. On sait que cet atoll, il est localisé sur une ancienne structure récifale qui date de plusieurs millions d'années. Mais l'atoll en lui-même, on n'avait pas encore vraiment d'idée, si tu veux, de savoir dans quelle période il avait commencé à se construire au toit de ces anciens récifs coralliens. Et là, lors de la campagne Sésame, on a eu la chance de prélever une carotte, alors qui est très loin de l'atoll, hein, elle est à environ, je crois, une 70 km, hein, ce qui est relativement considérable. Et sur cette carotte, on a trouvé, à environ, je crois, 5 mètres de profondeur, une couche de sable très claire, donc qui est... on pense du sable récifal. Et quand on regarde un petit peu les prédictions sur les modèles d'âge aujourd'hui qu'on a sur ces carottes, il semble que ce dépôt provienne effectivement de Bassas de India dans une transition climatique qui est vers 430 000 ans. Et on pense que les atolls et les barrières de récifs, d'une manière globale au niveau des océans, se sont développés à ce moment-là. Et cette couche qu'on a trouvée dans cette carotte, elle semble correspondre au moment où cet atoll de Bassas de India a été initié. Je vais casser l'ambiance. Depuis le tournage et depuis le premier montage de cette vidéo, il s'est passé quelque chose qui change un peu tout. Une fois rentrés sur la terre ferme, les chercheurs ont fait dater les carottes et ils viennent de recevoir les résultats. Il s'avère qu'en fait, cette petite couche est beaucoup plus récente qu'ils ne le pensaient. Elle aurait en réalité 140 000 ans et non 400 000 et se serait déposée pendant un stade glaciaire et non un interglaciaire. Ce n'est donc pas du tout la fameuse couche que nos acolytes attendaient. Mais ce sable proviendrait bel et bien de Bassas de India et c'est déjà exceptionnel en soi qu'il ait pu arriver aussi loin. Mais c'est vrai que ce n'est pas la fameuse couche originelle de l'atoll, c'est normal, hein, c'est la science, on récolte des données, on émet quelques hypothèses à chaud et après, les analyses permettent de confirmer ou non nos premières intuitions. Dans ce cas-là, c'était non et c'est un peu dommage quand on voit leur réaction à chaud sur le bateau. C'était surprenant. D'abord, d'avoir une petite couche, elle est unique. On a carotté combien de mètres en tout dans la mission? 280 mètres, je crois. 280 mètres, ouais. Et sur 280 mètres, on a une petite couche qui a 2 cm et qui est vraiment spéciale. On était venu déjà il y a 10 ans, on avait prélevé des carottes, on a trouvé ces couches d'apport de sable carbonaté dans ces bassins, mais on était quand même relativement proche de l'atoll. Et surtout, ces carottes ne couvraient pas, je veux dire, complètement 500 000 ans. Quoi. On n'avait pas encore toute l'histoire. Donc là, c'est vrai qu'on a trouvé qu'une seule évidence,
il faut quand même le reconnaître, et on doit encore préciser son timing. Mais par contre, ce qui serait quand même assez extraordinaire, c'est que ça permettrait de boucler en fait l'histoire de... Et le dernier élément qui nous manquait, si tu veux, sur le quand est-ce que s'est construit cet atoll. Je pense qu'on aurait réellement fait un pas de plus sur la connaissance, en tout cas, de ces atolls dans le canal du Mozambique. Pas de bol pour cette fois, il faudra revenir pour tenter de trouver cette fameuse dernière pièce du puzzle de l'histoire de la formation de Bassas da India. Mais ça ne remet pas en cause leur modèle pour autant, qui suggère l'importance de ce fameux interglaciaire dans la formation des atolls dans tous les océans. Ces systèmes carbonatiques qui se mettent en place, non seulement les atolls, mais comme tu disais aussi les barrières, il y a tellement de calcaire qui se dépose qu'on change la chimie des eaux profondes. Donc on dissout les calcaires dans les eaux profondes du fait que les océans, la chimie des océans deviennent sous-saturées parce qu'on a, construit des grands volumes de carbonate et les rivières n'arrivent pas à apporter suffisamment de carbonate pour compenser ces grands édifices qui se construisent justement au stade 11. Mmh. Et on voit vraiment ces grandes dissolutions dans les parties profondes et ça c'est assez extraordinaire de penser que les carbonates, les récifs peuvent changer la chimie globale des océans. Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Voilà donc le nouveau scénario de formation des atolls qui fait autorité aujourd'hui. Donc, pour construire notre île paradisiaque, il nous faudra un océan pour construire une plateforme carbonatée avec un toit bien plat, une glaciation pour émerger cette plateforme et l'éroder sous forme de cuvette grâce à l'eau de pluie, puis un interglaciaire pour faire pousser un récif corallien sur la bordure. Et on alterne glaciaire-interglaciaire pour empiler les couches de coraux les uns sur les autres et monter notre gâteau très particulier. Darwin avait-il tort avec son modèle basé sur la subsidence? Eh ben non, puisque pour empiler ces couches de coraux, il faut bien qu'ils aient la place de pousser, donc que la plateforme s'enfonce. Je vous ai bien lu, Darwin n'avait pas vraiment tort, simplement il faut ajouter à son modèle les variations du niveau marin, comme l'ont fait nos compères. Allez, au boulot. Si on s'y met maintenant, ce sera juste prêt pour le dîner dans 500 000 ans. Pour ne rien vous cacher, c'était pas tout à fait prévu qu'on s'approche autant de cette île, mais pour savoir ce qui nous a conduit là-bas, il faudra revenir voir le quatrième et dernier opus de cette série à bord du Marion Dufresne. Un final garanti riche en bêta-carotène. Thank you.